Voilà d'abord le titre. Regardez très bien, jeune Afrique. Doumbouya a atterri à Rabat et est hospitalisé. Ça, c'est jeune Afrique. Voilà. Je vais ouvrir le document. Il y a des passages là, je vais le lire pour vous. Le petit prince des criminels, selon JIA, la petite enquête de JIA, il a été empoisonné. Voilà. Il a été empoisonné. C'est long. Comment il a été empoisonné? Voilà. Je ne sais pas comment il a été empoisonné. Le petit prince des malfaiteurs, le petit roi des malfaiteurs, le petit prince des délinquants, parce que ma tante c'est Ramatoula Colon. Tante, je voulais même qu'on parle un peu, quoi. Voilà. Tante Ramatoula Colon, je voulais qu'on parle après ou bien demain, Inch'Allah. Vous allez me donner votre disponibilité, Yahé. Parce que quand tu demandais à certaines personnes, Mamadi Doumbouya est intouchable. Nka Infole, je remercie tonton Badra. Tonton Badra m'avait dit ici là, Ako Benito Nyukuma Kelenfunyana. Ce qui a été dit, alcoolé, que tout est fait, tout est bouclé, tout est géré. Doumbouya Halian Kwalal Kumara Hassini Kende. Que même si nous passons le reste de notre vie en train de parler, Doumbouya va rester au pouvoir. Moi, je vous ai dans un direct. Le direct là-bas est. Dadis était plus fort que Doumbouya. Parce que pour Dadis, au temps de Dadis, il y avait 5 unités qui étaient armées. 5 unités au temps de Dadis. Avec ça, tout le monde avait peur de Dadis. Ça veut dire que Dadis était un homme. Dadis était un garçon. Sekouba Konaté est arrivé. Il y avait plus de 5 unités bien armées. Sekouba était le chef. Il n'a désarmé personne. Sekouba, donc Sekouba est un garçon. Moi, j'ai vu Sekouba à Lambaï quand il est parti s'adresser à des militaires là-bas. Hey, Allah Akbar. Hey, Sekouba était clair. Nous sommes les frontaliers. Sekouba, c'est les garçons. Dadis était là. Il y avait beaucoup d'unités. Faiva, comment vas-tu? Faiva, Yalonoï. Mais voilà un prince, le prince des malfaiteurs. Parce qu'un malfaiteur, pour être roi du jungle là-bas, il doit désarmer les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous apprenons. Le diagnostic est là. Parce que si on me dit oui, il est blessé, c'est les Marocains avec l'intervention chirurgicale. Il peut arriver à le traiter sans plus, et puis c'est terminé. Mais on dit qu'il est empoisonné. On parle de reins, on parle d'organes vitaux. Hey, c'est ça là. Voilà pourquoi ils se sont arrangés pour faire partie de sa famille. Sinon, c'est quelqu'un qui est blessé. Il est le prince des plus forts. C'est le roi. Mais pourquoi envoyer, hein? Pourquoi envoyer sa famille? Merci, grand Ezob. Pourquoi envoyer sa famille? Nous avons dit ici qu'en Guinée, le seul bandit, c'est lui, Mamadi et son groupe. Sinon, il n'y a pas de bandit dans ce pays-là. Il n'y a pas de... Le seul bandit dans ce pays, c'est lui. C'est lui qui est venu braquer la démocratie. Moi, je peux comme, même si on vous avez vu Dadis? Dadis a pris une balle ici. C'est pas Dadis qui a arrêté devant vous ici. Hein? Dadis a pris une balle ici. Vers le temporal ici. Mais Dadis, c'est pas lui qui est devant vous comme ça. C'est pas lui qui est devant vous comme ça, Dadis. Si tu es blessé par balle là, si tes organes vitaux ne sont pas atteints, mais mon ami, même si c'est ouvert comme ça là, les médecins là, ils peuvent remettre ça et puis ça va, ça en passe. Mais quand on dit que tu as été empoisonné et que tes organes vitaux sont touchés, je comprends pourquoi ils se sont arrangés pour faire partie de sa famille. Ça ne marche pas comme ça. D'accord, tu auras ça demain. Tu auras ça. Bourgade, tu m'as combattu. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Je le répète, le type là, il ne m'intéresse pas.
Doumbouya là, je vous ai toujours dit qu'il ne m'intéresse pas. J'ai fait ce combat-là contre son entourage parce que pour eux là, il faut profiter parce que Doumbouya est la garantie. Après Doumbouya, c'est terminé, c'est fini. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité. Tonton l'a dit tout de suite. Tonton l'a dit. Il avait dit. Ils n'ont pas peur. Acheter des terrains, faire des étages, Kabeke, et puis garder les autres, des innocents en prison. Eh mais, le soir là, je venais remercier mon grand frère, Lincoln Souba, Ntarafaï, parce que c'est un Taranara. Lincoln Souba. Le grand frère là, non. S'il n'y avait pas les Lincoln dans ce pays là, les Marouane dans ce pays là, les Mohamed Mara, malgré les Tamba Zakaria. Non, ça allait être autre chose. Pour terminer, le Diagnostic qui est là, c'est ça même. C'est ça, Béni, c'est ça. Donc, vous, le bataillon autonome des troupes aéroportées, le groupement d'intervention rapide, les renseignements généraux, refusez qu'un tapissier nous gère. Refuser qu'un tapissier, un simple tapissier, un tapissier. J'ai du respect pour le métier. Hein. Je ne parle pas du métier. Voilà, j'ai du respect pour le métier. Voilà, je le dis. Hein. Refuser qu'un tapissier, parce que le tapissier là, il est plus fort qu'Amara. Le tapissier là, il est plus fort qu'Amara. Parce que le tapissier a un appui. L'appui du tapissier, c'est Idi Amin. Idi Amin a son unité personnelle à lui. Donc, et Amara n'a pas les forces spéciales. Aujourd'hui, qui est le maître? Non, Brigitte, c'est la vérité. Nadia, c'est un tapissier. Moi, du respect pour le métier. Mais refusez qu'un tapissier. Mais parmi vous, au niveau du Bata, il y a des intellectuels. Hein? Mais refusez qu'un tapissier, un simple tapissier, mais vous gère. Parce que lui aussi, il pense que non. Et puis il a pris du poids, hein. Depuis ce matin, on dit qu'il a pris du poids en marchant là, non. Son épaule là, ne descend plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est ce que Salé dit comme ça, là. C'est un gendarme. Quand même, il a fait sa petite formation de la gendarmerie. Ça, c'est vrai. Vous le remettez un dossier d'enquête tout de suite, là, c'est fini. Ça va traîner 20 ans. Vous comprenez? Donc, je m'adresse à vous, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Ce qui concerne Doumbouya là, ça c'est fini. Doumbouya là, c'est fini. Comme parmi vous, il y a des grands intellectuels, rentrés dans la petite enquête du Jeune Afrique. Ils ont enquêté. Et puis, ils ont laissé des pointillés au niveau de la troisième page. Ils ont laissé des pointillés parce que l'information n'est pas claire. Jusque là, ils ont dit, là je le dis, hein, ils ont dit, ils ont bien précisé qu'on n'arrive pas à cerner le vrai diagnostic, mais on parle de poison. Vous connaissez le poison. Voilà Navalny. Navalny est mort avec le poison. Le poison, petit à petit, il a fait plus d'un an avec le poison, il est parti. Et d'ailleurs, tous les chefs de gente qui arrivent au Maroc, là, ils ne rentrent plus. Ils ne rentrent plus, hein. Et beaucoup parmi eux ne rentrent plus. Arrive, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'on demande souvent aux autorités marocaines de les garder là-bas. On demande souvent aux autorités marocaines de les garder. Parce qu'il faut que le médecin demande. Il faut que le médecin dise, bon, il peut partir maintenant. Là où il est comme ça, il n'est pas maître de sa situation. Hein. Il n'est pas maître de sa situation. Donc, je ne m'adresse pas à Bis. Bis est une femme. Bis, là, Ibrahim Sur Bangoura, c'est une femme. Vous savez qu'il n'est pas bien portant. Ibrahim Sur Bangoura, il n'est pas bien portant. Ne le voyez pas comme ça. Il n'est pas bien portant. Ne comptez pas sur lui. Voilà. Lui là, tous ceux qui sont autour de Bis là, sont les enfants de Idi Amin. Bis, même Bis que vous voyez comme ça là, il est géré par Idi Amin. Donc, s'il vous plaît, laissez Bis. Moi, je n'en vais pas à Bis. Je n'en vais pas à Ibrahim Sur Bangoura. Wallahi bilan. Parce que Bis n'a rien à voir dedans. Mais aujourd'hui, il y a un individu que vous pouvez neutraliser, maîtriser, contrôler.
C'est Mukhtar Kaba. Aïe, quand on a son, quand il y a fort, au temps d'Alpha Condé, vous êtes, ils étaient 422. Ils étaient 422 soldats des forces spéciales contre toute une armée guinéenne. Plus de 15 000 hommes. Vous avez vu comment ils ont tapé les poitrines qui sont partis à la mort. Mais une deuxième fois, vous aussi. La deuxième fois, elle a refusé. Amarala, il a quoi dire lui, Amarala? Amara, c'est mon jeune frère. Amara était zéro. Lui là, jusqu'au 5 septembre, demandez à toute ça. Si vous connaissez sa famille, autre membre de sa famille, demandez. Il n'avait même pas une télévision moderne dans sa, dans leur salon. Moi, je ne savais pas. Parce que hier, là, j'ai fait mon débat. Moi, je ne savais même pas qu'on l'a évacué. Vous avez vu mon débat d'hier nuit là. Même ce matin là. Moi, je ne savais pas qu'on l'a évacué. Hein. C'est quand j'ai reçu la notification. J'ai reçu la notification de Jeune Afrique. J'ai lu. Tchè, il est déjà arrivé au Maroc. On dit qu'il est arrivé au Maroc.